Mon petit Padawan, en plus de 20 ans d'enseignement des sports de combat, s'il y a bien une chose que je peux t'assurer avec certitude, c'est l'importance du cardio. Et si tu me connais un peu, tu sais quelle importance pourtant j'accorde à la technique. Mais si tu as un objectif d'être performant en sparring ou en compétition, ton cardio fera vraiment toute la différence. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais le redire encore parce que c'est très important. Même si tu as un meilleur niveau technique que ton adversaire, mais que tu te fatigues avant lui, il a toutes les chances de gagner et de te dominer. Par contre, attention au type d'entraînement cardio que tu fais. Je ne compte plus le nombre d'élèves qui sont venus me voir complètement découragés parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un bon cardio et au final, ils n'arrivent pas à tenir un round de 3 minutes. Mais je comprends pas, pourtant j'arrive à courir 1 heure à un bon rythme et là en 2 minutes, je suis complètement épuisé. Je fais 3 séances de crossfit par semaine super intenses, ça devrait être facile un round de boxe. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Il y a 2 raisons principales. La première, le manque de spécificité, c'est-à-dire que tu travailles ton cardio mais pas en faisant de la boxe. La deuxième, l'efficacité technique. Avec le temps, quand on devient bon, qu'on est habitué à la gestuelle, on trouve comment s'économiser et beaucoup moins se fatiguer. Et dans cette vidéo, on va faire ensemble une séance de cardio au sac de frappe qui va te permettre de ne plus être fatigué quand tu accélères en combat. Allez, je t'explique rapidement le programme. On va commencer par 2 rounds de 3 minutes pour s'échauffer et travailler les 2 combos qu'on va utiliser dans notre séance au sac de frappe. Donc ça va être de l'échauffement en shadow boxing et je vais te faire découvrir et mémoriser les 2 combos à travailler ensuite à haute intensité. Ensuite, on va avoir donc 30 secondes de repos entre les 2 rounds de 3 minutes. À la fin, 1 minute de repos. Et ensuite, on va faire un IMOM. Donc IMOM, c'est un terme anglais, every minute on the minute. Pour faire simple en français, on va dire que c'est à chaque minute ou toutes les minutes. On va faire 10 secondes d'accélération à fond, 50 secondes de récupération, si possible active. Quand je dis si possible, ça va être en fonction de ton niveau cardio. C'est-à-dire que si tu peux travailler le combo suivant qu'on va faire donc sur la minute suivante, tranquillement en shadow, le but c'est quand même de bien récupérer, c'est cool. Si tu as besoin d'avoir, je sais pas, les bras baissés parce que tu as les bras cramés au bout d'un moment, et ben tu as les bras baissés, tu peux continuer à te déplacer. Si tu es vraiment trop fatigué, tu restes sur place, tu secoues un peu, tu détends, tu te concentres sur ta respiration et tu récupères. Je vais sans doute essayer de faire un peu de tout ça pour te montrer les différentes possibilités. On va faire ça donc pendant 20 minutes, c'est-à-dire 20 rounds d'une minute où chaque minute, on fera 10 secondes d'accélération, 50 secondes de récupération active et chaque minute, on va changer de combo. On va alterner entre le combo 1 et le combo 2. Allez, j'espère que tu es prêt. On est parti pour presque 30 minutes d'entraînement. Je lance le chrono. On commence à se mettre en mouvement. Ça va sonner pour le premier round. Là, j'ai mis 15 secondes de préparation. Donc, on commence à bouger un petit peu. La première frappe qu'on va faire, c'est un jab. OK ? Donc en numéro 1, on travaille le jab. En numéro 2, on va ajouter un uppercut du bras avant. Donc 1, 2. En 3, on met un cross. 1, 2, 3. En 4, on va mettre un crochet. 1, 2, 3, 4. On ajoute le crochet. On se déplace, tranquille. Et en 5, on remet un cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. On le refait une deuxième fois. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Je respire, je ne cherche pas à aller trop vite, trop intense dès le départ. Le but, c'est d'échauffer le corps, de faire monter progressivement les tours au niveau du cœur. On recommence. 1, le jab. On est relâché. 2, jab, uppercut. Boum. 3, on ajoute le cross. 1, 2, 3. 4, on met le crochet de l'avant. 1, 2, 3, 4. Et 5, on termine avec son cross à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On refait encore une fois le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, et 5. OK, on refait encore une fois le 5. 5. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur le 5, mais on va essayer de le faire 2 fois de suite sans pause, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin de faire au sac. Allez, on fait le 5 2 fois de suite. 5. Ok, on récupère un peu. Tranquille, toujours en relâchement, sans se crisper. Encore, 2 fois le 5. Pour être sûr qu'on mémorise. Souffle bien. 3 fois le 5. On récupère. Encore 3 fois le 5. Là, on reste sur place, hein. On se déplace ensuite. C'est ce qu'on appelle boucler des combos. C'est des combos qu'on va pouvoir faire en boucle. Encore, on essaye 4 fois le 5, allez. 4 fois le 5. Ouais, on récupère. Je pense que ça va être à peu près ça hein, pour les 10 secondes. 4 fois, on récupère. Ou 5 fois max. Allez, je bois un petit coup. Toujours s'hydrater, petite gorgée. Et on va attaquer l'enchaînement suivant. Je te le montre. Ça va commencer par un cross, suivi d'une esquive latérale intérieure. Revenir en cross, uppercut du bras avant au corps, et je remonte à la tête en crochet. D'accord? Donc, cross, esquive, cross, uppercut, crochet. 5 mouvements comme le combo précédent, en comptant l'esquive. On commence, numéro 1, le cross. Numéro 2, on ajoute juste l'esquive sur le retour du cross. 2. On se prépare. 3, à remettre un cross. 3. Avec 2 fois le pivot de la jambe arrière, sans tomber sur sa frappe. Le poids reste sur la jambe arrière, on ne doit pas le retirer. 4, on ajoute l'uppercut du bras avant au corps. 4. 5, on remonte du bras avec le bras avant en crochet à la tête. 5. Je retransfère bien un maximum mon poids sur l'arrière au moment du crochet. On refait le 5. 5. On recommence. 1, le cross. 2, cross esquive. 3, cross, esquive, cross. Il faut bien que tu mémorises. Hein. 4, on ajoute l'uppercut de l'avant. 4. N'oublie pas sa protection de l'autre côté quand on envoie l'uppercut. Et 5, on remonte en crochet de l'avant. Ok. On va commencer à essayer de le faire 2 fois de suite. Allez, 2 fois le 5. Ok, on récupère. Les boucles, hein, c'est bien pour mémoriser, c'est bien pour la fluidité, c'est bien pour le cardio aussi. Encore, 2 fois le 5. Ok, là tu vois, j'ai eu un petit bug. Allez, on essaye 3 fois le 5, un peu plus challengeant. 3 fois. Ok, on souffle bien, on récupère de manière active, on bouge. Encore 3 fois le 5. Ouais. Souffle bien. Ok, allez, 4 fois le 5. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça passe. Récupère. Encore une fois. 4 fois, on essaye. Et on souffle. Ok, 1 minute de repos. Si tu n'avais pas déjà tes gants, tu peux les mettre. J'ai oublié de les préparer. Désolé, je vais disparaître de la caméra. Et je reviens tout de suite. Voilà. Ok. On se met en position. On va commencer par le premier. Donc le premier, jab, uppercut, cross, crochet, cross, à faire en boucle. Boum, ok. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. J'espère que tu l'as bien mémorisé, il faut essayer de le faire à fond. Peut-être sur les premiers rounds, tu vas bugger un peu et tout, c'est pas grave. C'est normal, ça arrive. Allez, on se prépare. Prêt ? Parti. On récupère. J'essaie de mettre vitesse max. Tu peux mettre plus ou moins de force. Plus tu mettras de force, plus ça va te fatiguer. Ok, on travaille l'enchaînement suivant, si tu peux. Tranquillement. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Tout doucement. Le but, c'est de faire redescendre. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Ok, on se prépare. Go! Pas facile. Je me suis pas arrêté, mais je me suis trompé. Ok? C'est pas grave. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Allez, on retravaille le combo numéro 1. Jab. Uppercut cross, crochet cross. Souffle bien. Jab, uppercut cross, crochet cross. Jab, uppercut cross, crochet cross. Jab, uppercut cross, crochet cross. Position. Go! Tu vois, ce qui aide, c'est de trouver un rythme, une rythmique. Là, tu vois, je crie, mais ça m'aide parce que je fais ah, 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 ah. Je sais quand j'ai fini, je sais quand je recommence. Ok. On retravaille le suivant. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Je vais essayer de le répéter par deux. Parce que tout seul, c'est facile. C'est la boucle qui est un peu plus dure. Cross, esquive, cross, crochet. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Ok. On se prépare. On se met en position. Go! Allez, si t'es trop crevé, les bras en bas, tu bouges, tu marches un peu, mais t'essaies de rester en mouvement. Si tu peux, travaille ton enchaînement suivant. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Je récupère. Ok, on est prêt. Go! Ouh. Allez, je bois un petit coup. Rapido. Ah. S'hydrater toujours. On retravaille le suivant. Moi, mnémotechnique, je sais que dans cet enchaînement, dès que j'envoie un cross, je fais cross, esquive. Et je reprends cross, uppercut, crochet. Cross, esquive. Cross, uppercut, crochet. Chaque fois que j'envoie un cross, j'esquive à l'intérieur. Ah, 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 ah. Enfin non, pas à chaque fois que j'envoie un cross, mais chaque fois que j'envoie mon premier cross, pardon. Ah, 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 ah. Allez, position. Go. Ah, 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 ah. Allez, on souffle. Récupère. Tranquille, c'est de la récup. On se prépare. Prêt à performer. Go. Ouais. Toujours essayer de maintenir un minimum de qualité technique. Là, on sait que la priorité, c'est le cardio. Donc, on reste dans son objectif de séance. Mais, c'est intéressant d'essayer de voir si sa technique se dégrade énormément ou pas avec la fatigue. Allez, cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Quand je te dis, voilà, la priorité, c'est le cardio, ça veut dire que à choisir entre faire des beaux gestes, mais y aller moins vite, moins fort, ou faire des gestes un peu moins bien, mais maintenir son intensité, on choisit l'intensité. Allez, prêt, go. Je parle et du coup, j'étais pas dedans. J'ai bugué sur le début, j'ai réussi à me rattraper après. On reprend. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Je souffle. Jab, uppercut, cross, crochet, cross, jab, uppercut, cross, crochet, cross. Allez, position. Go! Ouais. Allez, combo numéro 2. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet, cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Oh. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Oh. Ouais. Allez. On se prépare. Quand j'ai attention de faire la technique, c'est aussi faire attention à sa garde. J'essaye quand j'ai mon esquive d'avoir mes deux gants collés à ma mâchoire. Boum, et toujours au moins un gant collé à mon visage. Hein. Jamais les deux gants qui sont dans le vide. Allez, combo 1. Jab, uppercut, cross, crochet, cross, jab, uppercut, cross, crochet, cross. Oh. Oh. Ah. Ah. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. Ok, on se prépare. Oh. Ah. 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 Trouve son rythme. Go! Allez, on récupère. Combo numéro 2. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Au début c'est facile hein, les 10 secondes avec 50 secondes de repos. C'est sur la fin souvent que ça devient plus dur hein. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Je te dirai à la fin de la séance combien de fois par semaine tu peux faire ce type de séance. Hey, celui-là était pas bon, j'étais pas dedans. Ma respiration était pas bien synchronisée avec mes frappes. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut que je te donne comme information à la fin de la vidéo. Si on n'est pas 100% dedans, ça fonctionne pas. Allez, combo numéro 1. Jab, uppercut, cross, crochet, cross. C'est pour ça que ça fait du bien, l'entraînement. Ça permet de se mettre à fond dans quelque chose. Si on a la vie du quotidien qui nous embête un peu, qui nous tracasse, là, on se prend un temps pour soi-même. Allez, combo numéro 1. Allez, on souffle. Combo numéro 2. Cross, esquive, cross, cut, crochet, cross, esquive, cross, cut, crochet. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Cross, esquive, cross, supercute, crochet. Allez, on se prépare. Prêt? Je commence à sentir la fatigue. Je sens que mes frappes sont moins incisives, moins puissantes, un peu plus, ça traîne un peu plus. Allez, combo numéro 1. Combo numéro 1, pour moi, il est plus facile. Je sais pas pour toi. Mais du coup, je pense que je vais réussir à maintenir plus d'intensité, même avec la fatigue, parce que moins de difficultés techniques. Ça qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on travaille le maintien de la technique sous tension, sous fatigue. D'accord? Ça, c'est intéressant. Allez, on repart pour le combo 1. La leçon à retenir, c'est que quand tu commences à être fatigué, je te le disais en intro, même si tu es meilleur techniquement que l'autre, ton niveau technique, il chute. Les choses complexes techniquement à faire, elles deviennent beaucoup plus difficiles, moins précises, moins rapides. Donc, autre leçon à retenir, à part le fait de travailler son cardio, c'est de faire des choses simples, pas tenter des choses compliquées techniquement quand il y a de la fatigue qui arrive. Des fois, c'est par ego, on veut prouver qu'on n'est pas fatigué et quand même essayer de faire des choses complexes, ce sera souvent une erreur. C'est là où on va se faire surprendre. Donc simplifier ses actions en fonction de la fatigue. Allez, combo 2. Ouais. Ouh. Allez, on souffle bien. Ouh. Combo 1. Pareil, je t'ai parlé, toujours avoir en tête son objectif de séance. Là, l'objectif, c'est la haute intensité, le fractionné. Ce qui veut dire que si je me force à être hyper actif sur ma récupération active, mais que derrière, j'arrive à produire moins d'intensité sur mes 10 secondes, je passe à côté de ma séance. Donc, n'aie pas d'ego. Si tu es fatigué, récupère, marche un peu, détends, mais ne sacrifie pas par ego l'intensité et l'objectif de ta séance. Allez, combo numéro 2. Cross, esquive, cross, uppercut, crochet. Allez, je crois qu'il nous en reste 2. Ah, combo 1. Si t'es complètement cramé, que tu sens que tu n'arrives plus à mettre d'intensité sur tes 10 secondes, relâche. Bras en bas, sautille un peu, détends. On s'en fout. Là, ce qu'on veut, c'est l'intensité des 10 secondes. Si on peut avoir de la récupération active, c'est intéressant. Mais pas au point de mettre moins d'intensité sur les 10 secondes. Allez, combo numéro 1. Allez, il nous en reste un. Après, on va voir les 50 secondes de récup, plus un round de 3 minutes, shadow, récupération. Ok, combo numéro 2, cross, esquive, cross, percute, crochet, cross, esquive, cross, supercute, crochet. Ouais, allez, c'est le dernier. Tu vois, là, je préfère être le plus reposé possible pour le dernier. Je détends les bras. Je parle, c'est moins bien pour la récup. Prêt? Go! Ok. Directement, pardon, les 3 minutes de shadow. Donc, on peut retirer les gants si on a envie. Moi, j'aime bien les retirer. Et on va retravailler l'enchaînement 1, l'enchaînement 2. Allez, 1. Ah. 2. Je souffle. Pareil, là, j'essaie d'avoir une récupération active. Mon objectif maintenant, c'est de faire redescendre le rythme cardiaque. 1. Je dois apprendre à connaître mon corps, savoir comment il réagit et apprendre à contrôler mon rythme cardiaque. 2. J'essaie d'avoir une belle qualité technique. 1. Visualise quelqu'un en face de toi et tu visualises les zones exactes où tu frappes. Ça peut être un combattant que tu aimerais affronter, ça peut être un pote d'entraînement, pas forcément des intentions mauvaises. Quand je te dis de visualiser quelqu'un, c'est juste pour t'aider à visualiser. Et on récupère. Ouh! Ok, allez, on se retrouve tout de suite pour quelques conseils importants pour optimiser ce type d'entraînement, notamment le nombre de séances à faire par semaine. Bon, bah écoute, je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai récemment reçu une question sur mon application, le Jedi Club. Tu peux m'envoyer en fait des questions, me montrer tes mouvements, me poser des questions. Et j'ai un élève qui m'envoie tous les mois plusieurs vidéos pour s'améliorer constamment. Et là, il me posait des questions sur ses kicks, mais il me posait aussi des questions sur le cardio, parce qu'il était un peu perdu dans toutes les méthodes d'entraînement qu'on peut faire. Et c'est compliqué de donner une vraie réponse, parce que tout est en fonction de l'individu, c'est-à-dire de ton niveau actuel, où t'en es et qu'est-ce qui pêche. Est-ce que c'est plutôt justement ta capacité à reproduire des efforts accélérés comme on l'a travaillé là, ou est-ce que c'est plutôt que tu es très rapidement fatigué et donc tu auras plutôt besoin de faire du shadow très long, du jogging très long, même si voilà, j'aime un peu moins le jogging parce que c'est pas spécifique, tu vois, mais tu as grosso modo deux types d'efforts, ce qu'on appelle un peu la zone 2 et la zone 5, je vais y arriver à faire le 5, d'accord, donc là on serait plutôt dans la zone 5, dans ce qu'on vient de faire, même si on n'y reste pas très longtemps. Bref, on est en tout cas dans des efforts de haute intensité ou des efforts de basse intensité, mais plus longs. Ok, tu as ces deux écoles-là. Et ça dépend donc déjà de ton niveau, de ce qui te manque, mais aussi de ce que tu fais déjà. C'est-à-dire qu'on pense souvent aux séances de cardio qu'on fait, mais il y a aussi les entraînements qu'on fait. Quel type d'entraînement? Est-ce que si tu dans ton club, tu prends des cours? Est-ce que c'est plutôt un rythme modéré pendant tout le cours? Est-ce qu'il y a déjà du travail, un gros travail d'accélération? Est-ce que tu fais des sparring? Est-ce que tu fais des sparring tranquilles, à la touche, léger, où tu t'amuses et tu peux faire des sparring hyper longs comme ça sans trop te fatiguer? Ou alors est-ce que c'est des sparring ultra engagés, hyper intenses, où tu ressors complètement carpette à chaque fois? Donc il faut analyser où t'en es, qu'est-ce qui te manque, ce que tu fais déjà et ce que tu fais pas, pour savoir exactement en fait, ce dont tu as besoin. Après, sur ce type de séance-là, mettons qu'on va partir de l'hypothèse que toi, ton problème, c'est les accélérations surtout, même si parfois, quand on se fatigue vite, ça peut être un manque de foncier aussi, hein, mais bon, on va dire que tu as du mal à accélérer plusieurs fois. Ce type de séance-là, c'est assez taxant sur le système nerveux, donc faut pas en abuser. Pour moi, maximum 2 fois par semaine. Déjà, 1 fois par semaine, en réalité, si à côté de ça, tu as des entraînements qui sont quand même avec un peu d'intensité et tout, ce sera déjà bien, tu vois. C'est-à-dire que surtout si tu as beaucoup de sparring intense et tout, ou du travail de PAO à fond dans tes cours, ou de pattes d'ours, ou de sac de frappe, que tu fais des choses déjà intenses niveau cardio, tu peux te rajouter ça 1 fois par semaine, mais pas 2 fois. Par contre, si plutôt dans tes entraînements hebdomadaires, tu n'as pas beaucoup de trucs à haute intensité, là, tu pourras peut-être le faire plutôt 2 fois. Ce qu'il faut voir, c'est comment tu récupères. C'est-à-dire que si d'une séance à l'autre, tu es complètement cramé, tu sens que tu n'arrives plus à envoyer de l'intensité, c'est que tu en fais trop. Okay ? Ou si quand tu fais ça au prochain entraînement, en club, avec partenaire ou quoi que ce soit, tu es tout de suite fatigué ou que tu n'as plus d'influx nerveux, c'est que tu en as trop fait aussi. Ce que j'ai pas dit, bien sûr, c'est que là, j'ai choisi un format où on fait 20 minutes, mais on peut tout à fait faire moins. En général, je recommande de ne pas aller en dessous de 10 minutes. D'accord ? 10 minutes, c'est le minimum, mais tes 20 minutes, tu peux aussi les faire en 2 blocs. C'est-à-dire que là, au lieu de faire une alternance de combo 1, combo 2, on aurait pu faire l'imam de 10 minutes avec que le combo 1, faire un break de 2 minutes, 3 minutes, ce qu'il faut pour que ça redescende bien, et faire le deuxième imam de 10 minutes avec le combo 2. Tu vois, ça peut être un moyen de rendre ça plus accessible dans un premier temps. Et surtout, comme je t'ai dit, hein, l'objectif là, c'est la haute intensité. Donc, on n'est pas en mode égo, non, moi, il faut que j'arrive à faire les 20 minutes comme Greg, il a fait dans la vidéo. On s'en fout, d'accord ? Ce qui compte, c'est que tu arrives à faire ta haute intensité. Donc, si ça passe mieux pour toi de faire 2 fois 10 minutes avec 2-3 minutes de pause entre les deux, fais-le, d'accord ? Et après, tu verras peut-être que tu pourras passer sur les 20 minutes et que tu vas maintenir ton intensité. Et là, tu sauras que tu auras progressé. OK ? Donc, voilà mes conseils sur ce type de séance. Moi, je trouve ça fun. C'est assez rapide à faire. C'est pas trop compliqué, tu vois. Grosso modo, tu as 1 ou 2 enchaînements à trouver. Faut que tu essaies de trouver des enchaînements qui se fassent en boucle. C'est mieux, d'accord ? Alors, tu peux faire des enchaînements qui ne se font pas en boucle, mais ce sera moins fluide dans la manière de les enchaîner à fond pendant les 10 secondes. Donc voilà, c'est pas très compliqué, d'accord, à trouver. Si tu veux plus d'entraînements comme ça, bah, rejoins le Jedi Club, hein, c'est ma plateforme en ligne. Tu as des centaines d'entraînements techniques, cardio, boxe anglaise, boxe pieds poings, prépa physique, mobilité, souplesse, Wing Chun. Et comme j'ai dit, tu peux avoir une forme de coaching qui est inclus dans l'abonnement, où tu m'envoies des vidéos de toi sur un geste, un truc qui te pose un problème, une question à laquelle tu n'arrives pas à trouver de réponse, et je vais t'aider, te répondre en vidéo, analyser tes mouvements ou te donner une réponse claire et précise que tu pourras transformer en plan d'action pour progresser. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.